D'abord, je tiens à remercier tout le comité de la CDVR qui a bien voulu adhérer à leur projet en mettant cette année le thème qui a parcouru toutes nos campagnes. Toutes ces candidates qui ont postulé au concours de Miss Côte d'Ivoire cette année ont eu droit à délivrer un message sur le thème de la réconciliation. Et croyez-moi que ça rehaussait aussi le concours Miss Côte d'Ivoire, parce qu'on s'est rendu compte que ces jeunes filles non seulement étaient belles, mais qu'elles avaient quelque chose dans la tête. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier personnellement parce que ce projet, même s'il a été initié par vos collaborateurs, il a fallu qu'il ne soit pas achevé par vous. Et je ne suis pas étonné parce que depuis que vous êtes à la tête de toutes les institutions, vous avez toujours reçu le comité Miss Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre. Et vraiment, ça a toujours été un honneur pour nous. Une personnalité aussi juste s'attarde sur nous, les petits. Comme disait le vieux Gado, la main de celle des éléphants est aussi importante que la semaine de celle des marbouillants. Donc nous, en tant que petits marbouillants, on essaie de faire aussi notre petit chemin et on essaie d'apporter quelque chose de plus à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la réconciliation, en essayant le mieux possible de véhiculer ces valeurs pour inculquer à la nouvelle jeunesse un nouveau format de pensée et de comportement. Je voudrais, à travers vous, remercier tous les membres du comité Miss Côte d'Ivoire. Parlons donc d'abord aller vers nos filles qui viennent d'être distinguées à l'occasion de la plus belle compétition du soir. Je voudrais donc les accueillir ici, les féliciter. Je sais que c'est un concours, et tout concours est difficile. Encore une fois, félicitations. Merci. Pour avoir remporté ce concours. Je suis donc très heureux que le symbole de la réconciliation soit ici représenté par les plus beaux produits que la Côte d'Ivoire ait pu avoir. Nous nous sommes déjà rencontrés en d'autres circonstances. C'est parce que je considère que cette manifestation a besoin d'être encouragée. Et partout où je suis, merci de l'avoir noté. J'ai fait ce que je peux pour encourager cette manifestation. D'autant que je me rends compte que son contenu prend de plus en plus de la qualité. Vous avez décidé d'être les ambassadrices de la réconciliation. Je ne souhaiterais pas que ce soit un slogan d'un jour. Je souhaiterais que vous compreniez la profondeur de ce vocable, cette mission. Par le temps qui court, et pour votre pays et pour votre avenir. La réconciliation, c'est le socle sur lequel votre avenir sera construit. Donc, il nous appartient et vous appartient, à partir d'aujourd'hui, de faire de votre vie en Côte d'Ivoire, la vie des Ivoiriens, une vie heureuse, parce que tous les Ivoiriens vont se considérer comme frères. Ils vont vivre dans la paix, dans la stabilité, dans la tolérance, sans violence. Nous sommes dans le temps qui reste, comme je dis. Le temps qui reste. Vous êtes dans le temps à venir. Le temps à venir nous appartient de le construire. Dieu ne nous a pas créé pour qu'on se divise. Il a créé pour qu'on soit un frère. Les religieux disent que c'est le ministère divin par excellence, le ministère de la réconciliation. Vous avez accepté d'associer vos noms à cela.
Donc, vous n'êtes pas Miss Côte d'Ivoire, la réconciliation, pour un jour. Dès lors que vous l'avez accepté, vous êtes Miss la réconciliation pour toujours. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et bonne chance et bravo pour remporter ce concours. Nous serons de très bonnes ambassadrices pour la réconciliation et nous sommes prêtes à partir à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour inciter toute la population ivoirienne à être réconciliée et à être des enfants fiers d'être ivoiriens. Parce qu'il n'y a que la paix qui pourra nous mener à vraiment être un pays émergent, comme l'a dit Monsieur le Président. Nous sommes prêtes à aller à l'intérieur de la Côte d'Ivoire afin d'amener tout le monde, toute la population à l'ouvrir. Je vous remercie.